Voici le guide complet des défis Récits de Cerbère sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'utiliser un bassin divinatoire pour parler à Cerbère. Pour réaliser ce défi, vous avez 4 possibilités d'emplacement. Vous avez juste ici en dessous de Plaisante Piazza. Voilà, à cet emplacement. Vous avez à côté des Enfers, donc juste ici. Vous avez au-dessus de Rankless Highway, donc ici sur la petite montagne. Ensuite, le dernier emplacement, c'est au Mont Olympe, donc juste ici, à cet emplacement. Donc quand vous êtes près du bassin divinatoire, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lui parler, donc avec votre touche d'interaction. Vous continuez la conversation pour parler à Cerbère, et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer n'importe quel être vivant pour tenter de trouver la relique. Donc pour réaliser ce défi, c'est très très simple. Vous avez vous allez devoir soit tuer des adversaires, donc soit des vrais joueurs, soit des bots, soit des loups, soit des poules, enfin même des grenouilles, tout ce qui est vivant, tout ce qui bouge sur la map. Donc tout ce que vous allez tuer sera comptabilisé pour votre défi. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un total de 20 êtres vivants. Et quand ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi est une énigme qui vous dit « Est-ce que je l'ai laissé sous le moulin avec vue sur le Styx ?» Donc pour résoudre plutôt cette énigme, vous allez devoir vous rendre juste ici, à côté de Grimgate, à ce moulin-là. Et normalement, dès que vous allez vous y rendre, ça va résoudre l'énigme. On va voir. Oui, effectivement, vous avez juste à vous rendre à cet emplacement-là et à déterrer ce qui est là apparemment. Il suffit juste de déterrer la relique près du moulin et de la récupérer. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors la prochaine énigme vous dit « Je l'ai laissé près de la neige où les gens enterrent des nonos délicieux. » Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici à côté de Classicourt, donc juste en dessous à cet emplacement-là. Vous avez un cimetière, donc c'est pour ça qu'il parle de nonos, c'est parce qu'on enterre des squelettes, enfin des gens qui deviennent des squelettes, donc des nonos. Et logiquement, quand vous allez vous rendre à cet emplacement-là, ça devrait valider le défi. Donc, c'est ce qu'on va voir. Hein. Après, sinon, je vois pas. Ouais, c'est bien ça. Après, par contre, il va falloir trouver la relique qui se trouve juste ici à côté du cimetière. Ensuite, comme d'habitude, vous déterrez la relique, vous la récupérez. Et dès que vous aurez récupéré cette relique, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors la prochaine énigme vous dit peut-être sur une île herbeuse au milieu de tout. Donc logiquement, une île herbeuse, ça devrait être là en plein milieu de tout, hein, en plein milieu de la map. Logiquement, vous allez devoir simplement rejoindre cette île. Et à un endroit, il devrait y avoir la relique. Donc on va chercher un peu. Hein. Peut-être que je me suis trompé. On va faire le tour de l'île. Après, c'est possible que je me trompe. Ou peut-être que c'est l'île qui est juste à côté en fait. Parce que, regardez, il y a une île là, il y a une île là. Logiquement, ça devrait peut-être être là, on va voir. Ah ouais, effectivement, c'est un tout petit peu plus loin. Donc, c'est sur la petite île qui est juste à côté. Donc, juste ici, au-dessus de Fenzingfeld. Donc, dès que vous serez à cet emplacement-là, vous déterrez la relique et vous la récupérez. Et dès que vous l'aurez récupérée, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'utiliser un bassin divinatoire pour parler à Hadès. Donc là, vous avez juste à vous rendre près d'un bassin, de parler au bassin pour communiquer avec Hadès. Et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de battre Cerbère pour bénéficier de son odorat. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Grimgate, juste là où il y a le piédestal, le petit logo. Et à cet emplacement-là, vous allez devoir casser la statue pour pouvoir défier Cerbère. Mais avant de pouvoir défier Cerbère, vous allez devoir tuer les loups qui vont apparaître. Donc bien évidemment, stuffez-vous un minimum. Là, vous tuez tous les loups. Ok, donc quand vous aurez tué assez de loups, Cerbère apparaîtra. Et là, vous n'aurez plus qu'à le tuer. Et voilà, dès que vous aurez réussi à le battre, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de suivre la piste et d'obtenir la relique. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Plaisante Piazza. Donc juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez pouvoir récupérer une relique apparemment, donc qui est juste ici. Ah non, il suffit juste de suivre la piste là pour l'instant. Donc vous suivez juste l'odeur. Voilà, la piste qui est indiquée par des petits points d'exclamation et par une fumée un peu verte. Et normalement, quand vous serez au bout, voilà, vous aurez la relique
qui est une petite balle de tennis. Dès que vous aurez récupéré cette balle, bah là vous débloquerez les récompenses. Alors le prochain défi est un peu bugué parce que moi je le vois affiché en anglais, mais je suppose que le défi dit retourner à la maison de Cerberus pour déposer l'artefact. Donc normalement vous avez juste à vous rendre à cet emplacement là, donc juste ici plus ou moins, et à cet emplacement près de Grim Gates, il devrait y avoir quelque chose à faire pour terminer le défi. Et effectivement, regardez, il y a un petit point d'exclamation qui s'affiche. Donc là, vous avez juste à vous rendre près du point d'exclamation et déposer l'artefact, bah, la relique, juste ici. Et dès que ce sera fait, bah, là, vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'utiliser un bassin divinatoire pour parler à l'oracle. Vous avez juste à parler au bassin. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas interagir avec, par contre. Ok, c'est bon, j'ai réussi. J'ai dû me placer au-dessus du bassin pour pouvoir lui parler. Je sais pas si c'est un bug. Mais dès que vous aurez parlé au bassin divinatoire pour parler à l'oracle, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.